Suicide Foundation a décidé de participer à la course des héros. Ça permet de lever des fonds pour financer les projets en Afrique. Ça permet aussi de rassembler nos supporters, nos donateurs pour un événement sportif, solidaire et convivial tous ensemble. Faisant partie des administrateurs, c'est la moindre des choses que je sois là. Plus le plaisir d'avoir cette belle journée et puis bien sûr pour le soutien de la fondation. Donc je cours aujourd'hui pour la CID, pour soutenir la fondation qui a des projets qui me tiennent à cœur personnellement. Pour moi ça me paraissait naturel de venir courir pour CID pour pouvoir les soutenir dans tous leurs projets. On est tous là, on est tous pour une même cause et puis avec toutes ces associations autour c'est super impressionnant, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de monde. J'ai réussi à collecter 350 euros. J'ai collecté 320 euros. Moi, je pensais que ça allait être dur de réunir 300 euros, le montant de départ, et en fait, il s'est avéré que non. La collecte s'est faite en à peu près une semaine, ce qui est assez rapide, je trouve. Les gens se mobilisent assez facilement pour ce genre d'événement. Non, mais il suffit de leur parler de la fondation, de pourquoi on court, et puis les personnes se mobilisent, ça fait assez plaisir de voir ça. C'est un très beau geste de leur part, et je pense que ça va vraiment être utile. Nous sommes à 5 minutes du départ, 5 minutes, attendre encore pour que plus de 2000 euros prennent le départ. Rendez-vous compte, vous êtes aujourd'hui plus de 2000. Combien de fois ? 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Passé, hein. Très bien, non, très bien, très bien. C'est vrai que ça fait vraiment peur, mais bon, c'est bien, ça me fait ma séance de sport pour l'année, donc je suis content. On a réussi à rester groupés, donc c'était sympa, il y avait un vrai esprit d'équipe, tout le monde s'est coaché. C'est tous attendus, on est allé au même rythme, on est resté groupés, c'était l'équipe CID qui courait. Et on s'est dénommé, c'est un vrai challenge. Très sympa de courir avec toutes les associations comme ça. Vraiment super. Très beau succès. Moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde que ça. C'est vraiment super, il suffit de faire appel aux amis, à la famille pour collecter l'argent. C'est facile et ça permet de tous se retrouver ensemble pour courir. Il y a vraiment une bonne ambiance, que ce soit au sein des associations ou tout le monde court ensemble, une façon de solidarité, un bon esprit. L'objectif, c'est de fédérer justement les salariés en donnant plus de sens à l'entreprise. Et c'est le but. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le but. En plus, on a beau temps. Je fais partie de la société Pierson Export. Donc, CID a une place très importante. Donc, tout le monde l'a fait. Et ça, c'est une preuve de support pour les associations. Et il y en a besoin. Moi aussi, de toute façon, c'est le but. Ouais, on commence à l'année prochaine. Et on vous conseille à tous. On conseillera à nos amis de venir avec nous. Carrément, et toujours avec un objectif plus haut pour les fonds. J'espère qu'on fera les mêmes interviews, mais avec beaucoup, beaucoup plus de monde, de CID Foundation, de Pierson et d'autres sociétés partenaires l'année prochaine. À bientôt. Et pour CID, ouais.